Allez, c'est parti pour cette vidéo. Hop, Nesrine, la première. Donc, gros big up à Nesrine, Souad Alandit, Thomas, Kurdistan, comment allez-vous? Salam les gens, bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend bien? Alandit, comment vas-tu, mon ami? Le général, Yas, comment ça se passe dans l'espace? Akhenaton, bon, dit sûrement, mais il n'est pas là de toute façon, il n'est pas là, Akhenaton. C'est bon pour le son, hein. Pour ceux qui ne savent pas, Yas Tommy, bon, c'est l'équipe de l'âge d'or Ménéique. On peut voir du Matt Houston. Bon, il y a un peu tout le monde, hein, Jackie, Benji, les deux balles, les deux frères, Lino, et j'en passe. Bref, pour ceux qui ne savent pas, c'est le concert L'âge d'or. L'âge d'or du rap, c'est tous les anciens qui font un concert. Et voilà, apparemment ça marche bien, c'est déjà complet, etc. Bon, respect aux anciens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas leur concert, même si j'irai avec plaisir, si j'ai. Enfin, pourquoi pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'interview qu'ils ont fait pour justement ce concert. Et ils disent des choses sérieuses. Comme vous pouvez vous en douter, des anciens qui ont des enfants, forcément, ils critiquent le rap d'aujourd'hui. Rap business, rap qui dit de la merde, etc. C'est eux-mêmes qui vont le dire. Merci les anciens de nous comprendre et de confirmer tout ce qu'on dit. Hein, faut le savoir, eux, ce sont des rappeurs du game. Ils sont dans le game. Et vous allez voir ce qu'ils disent. Hein, ce sont des rappeurs extra connus, à la retraite carrément. On veut dire à la retraite. Regardez ce qu'ils vont dire sur les jeunes. Les rappeurs jeunes d'aujourd'hui. Vous allez voir. Comme quoi. Bizarrement, je comprends tout à fait comme eux. Ils ont quitté le game. Ils vont vite quitter le game. Ça, je sais pas, soit, bon, c'est pas le rapport. Le rapport, c'est de voir ce que eux en pensent de la musique d'aujourd'hui. Et eux-mêmes sont dégoûtés, entre guillemets. Enfin, pas tous, hein, mais certains sont dégoûtés. Ils vont dire très simplement, dans l'interview, Bouscapé de Fif. Et même Fif, il va l'avoir mal dans la gueule. Fif le vendu, pour ceux qui savent, hein, qui aime bien défendre les sataniques. Bah là, il va essayer de défendre, mais non. Les grands, ils sont pas cons. Ils vont même pas le laisser parler. Lui qui va essayer de camoufler et de rabaisser ce que eux veulent dire sur la jeunesse, sur le rap d'aujourd'hui, lui va essayer de minimiser les choses. Mais non, ça ne marchera pas. Ils vont lui dire, oh, on dit ça, c'est comme ça, t'as vu? Fif, il fait vraiment pitié, ce mec. Franchement, Fif, si tu m'entends, miskine, hein, honte à toi. Même les grands, ils t'ont remis encore à ta place, toi qui aimes bien sucer les sataniques dans tes interviews. Regarde ce qu'ils t'ont fait là. Et là, on y va. Allez, on passe à l'action. Regarde comment ils vont te répondre, Fif, qui connaît rien du rap là. Bon, allez, c'est parti. Au grand plan, Danny Dan, Karine, Zoxy, C'est un bon truc bref, très personnel par rapport à chacun des groupes. De balle, Jiki, le frérot Ménélique. Lui, il veut dire celui sans ça. Bon, là, ça parle de vote, etc. Aujourd'hui, déjà, le rappeur, ils ont rien à dire. Sacha, le rappeur, bon, les gens ont dénoncé, ils faisaient des trucs. Et puis, le fait que vous êtes des anciens, Ça dépend des groupes. Chacun dit ce qu'il a. De ce qu'il a dit, la FIF, il a dit, ouais, les rappeurs d'aujourd'hui n'ont rien à dire, alors que vous, les anciens, nanana, ils commencent déjà à sucer, là. Mais vous allez voir, c'est pas fini. Vous allez voir. Il va aller encore plus loin dans l'histoire. En tout cas, c'est sûr que les jeunes, là, aujourd'hui, qui font beaucoup de. Respect, expression directe. Gros respect à ce frère. Pour ceux qui ne savent pas, Delta, hein, et le coéquipier, expression directe. Ce sont des grands du rap. Hein. Voilà. Écoutez les Gradures, Booba, enfin Booba encore, c'est les anciens. D'ailleurs, Booba, il devrait être là aussi avec eux. Mais lui, il a encore baissé son froc, donc il est toujours. Voilà quoi. Il devrait être avec eux à la base, hein, en train de dire des bons messages, en train de dire que les jeunes font n'importe quoi. Mais lui, il est avec les jeunes. C'est lui-même qui forme les jeunes à devenir sataniques, malheureusement. C'est grave, bref. Allez, on écoute. Du coup, c'est plus le rappeur qui parle, c'est le père de famille qui dit wesh, vous êtes où les gars? Voilà, vous avez entendu? Là, c'est pas le rappeur qui parle, c'est le père de famille. Le mec qui a le cerveau qui dit oh, qu'est-ce qui se passe dans le rap là? Faut arrêter un peu. Hein, nous, quand on était dans ce rap, c'était pas comme ça. Pourquoi les jeunes vous foutez la merde avec le rap? De toute façon, ils vont le dire. Là, je vais trop vite. Je vais les laisser parler, c'est mieux. Je suis en train de parler pour eux. Moi, j'aimerais bien demander aux politiques qu'est-ce qu'ils ont fait de notre argent parce que c'est vous et moi, c'est nos employés. Hein. Donc, je dois demander. Ça aussi, faut le dire, hein, les rappeurs donnent l'argent comme Gradur, hein, qui dit lui-même qu'il s'est fait sodomiser par son label. Il n'a rien gagné à peu près hein, de ses ventes. Voilà, c'est à peu près ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent, à ton avis? Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils refont des loges maçonniques, ils investissent dans des maisons pour faire leur. Et voilà quoi, vous connaissez, hein, vous connaissez. Les meufs, mon teuf, j'aimerais bien avoir ma part du gâteau. Et quand je vois mes gosses qui sortent, qui vont n'importe où, là, et que je vois ce qui s'est passé avec. Le frère, Théo, L'affaire Théo. je me dis, à un moment donné, on est en train de régresser dans un truc En régresse, que exact. nous-mêmes, on a connu dans les années 90, parce qu'il y a des émeutes, il y a plein de choses comme ça, quand même. Et l'art, la musique et le hip-hop, ça doit quand même être un marqueur de ce temps-là. Et là, je vois les mecs, à part parler de leur bulletin ou je sais pas trop quoi. Dans le boutin, l'argent. Et du coup, quand même, on est des leaders d'opinion et les gosses, en général, ils marchent avec la musique
et ce qu'il se dit, quoi. Tu vois, quand tu parles avec les gosses, ils disent ouais, c'est bien ton truc, mais nous on aime bien ça et ça parle de rien. Voilà. Et à la fin du compte, ça fait partie de leur éducation. Donc on a quand même cette mission. Tu vois, vous entendez, on a cette mission. C'est un grand rappeur qui le dit. Je te comprends, frère. On a une mission. C'est pas de faire cette merde avec la musique. La musique aurait pu être un art qui carrément se transforme en tradition, même si on réfléchit bien. Ça pourrait être un truc de ouf, hein, si on faisait bien de la musique, qu'on employait pour de bonnes choses. Mais eux, ils font de la merde avec, ils font, hein, voilà, les loup-boutins, comme il a dit, etc. Quoi. Et il a tout dit. C'est responsabilité. Hein, responsabilité, surtout. Bon, je remets en arrière. Tu vois ce que je veux dire ? Et à la fin du compte, ça fait partie de leur éducation. Donc on a quand même cette mission, tu vois ? Et cette responsabilité. Responsabilité, surtout. C'est la raison, parce que le hip-hop, c'est d'abord une culture. Mais là, c'est Ménée qui parle. Rien. L'ancien. Rien du tout, en fait. C'était quoi son son, pour ceux qui ne savent pas ? Tout baigne, même pour les gens qui se plaignent. Voilà, c'est ça, Ménélique. Bon, bref, ceux qui se rappellent. Faire danser, breaker, en fait. Faire tout ce qu'on pouvait faire. Maintenant, ils prennent ça comme acquis et ils prennent ça comme un business. Donc, c'est d'abord un moyen de dire quelque chose. Exactement. Mais il n'y a pas que la fête. Moi, j'en ai fait, j'étais ostracisé pour ça, mais bon, tu vois, il n'y a pas que la fête. Il y a aussi, effectivement, penser. C'est un moyen de penser, de te réaliser dans le monde. Et là, maintenant, les gens se réalisent de bouteilles de champagne et chicha. C'est ça qu'ils mettent dans la musique. Bouteilles de champagne et chicha. Plus rien à comprendre, plus de messages, rien d'intelligent. Bien. Voilà. Autre chose. Ils veulent autre chose et je suis d'accord. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une victoire, entre guillemets, pour vous que. Vous les précurseurs, que le rap soit aujourd'hui la musique la plus écoutée en France, qui est du rap dans tous les reportages, dans tous les trucs. La victoire sera quand, en fait, on aura assez une culture. Ah, boum, Fif, la ferme, Fif. Vous avez ce qu'il voyait ? Vous avez vu ce qu'il a fait, Fif, là ? Il a essayé de dire, mais vous êtes quand même content, c'est grâce à vous que le rap il en est aujourd'hui, même s'il est devenu de la merde, au moins, faut être fier de ça. Il a dit, non, justement, non, on n'est pas fier de ça, on sera fier quand ça sera respectable. Bravo, Ménélique, il a remballé. Je vous remets la scène, vous allez voir. Là, je dis ça dans mes lignes, mais vous allez voir. C'est ça qui s'est passé, en fait, que je traduis à ma manière. Alors, hop, je remets. Il s'est fait remballer. Il a cru que... Non, désolé, il valide pas le satanisme, c'est tout. Chicha, je veux bien, autre chose. Mais, j'ai envie de dire, pour moi, est-ce que c'est pas une victoire ? Écoutez. Madame, etc., et pas la peur. Pourquoi ? C'est nous qui amenons le plus et qui avons la culture qui paye le plus. Ouais. Parce qu'on n'a pas su se rassembler. Surtout parce que... Il n'y a personne qui vient nous dire, écoute, nous, on représente le rap, il faut faire ça. Non, ça n'existe pas, parce que chacun pense à sa gueule. Malheureusement. Voilà, chacun pense à sa gueule. Bravo, Ménélique. Il a tout dit. Les groupes étaient violents, ils ont obtenu deux, trois trucs, quand même. C'est ça, le problème. Ça va. Quand j'étais blanc, ça marchait un peu, ça va. Ah bon, là, il faut toujours des égarés dans la team, hein, forcément. Mais non, la violence ne marche pas, c'est faux ça. Bref. Ça marchait. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte ? Bref. Là, on voit bien que n'importe quoi. Il dit que mal parler, ça marche. Je comprends pas. Moi. Je vois pas où ça marche, mais bon. En tout cas, tout a été dit par des gens qui ont l'expérience, surtout ça qui est important, ils ont l'expérience. Je vous ai pas mis le passage du vote parce que bon, certains disent qu'il faut voter, certains disent qu'il faut pas voter. Voilà, moi je rentre pas là-dedans, moi je vous conseille de pas voter, mais en tout cas, s'il y a un choix à faire, ça serait Asselineau, mais bon, moi je vous conseille pas de voter, hein. Franchement, je vous conseille pas du tout de voter. Surtout que au final, ce sera pour voter pour qui ? Des francs-maçons, des sataniques, des racistes, voilà quoi. Mais pourquoi ils font pas le combat ? Parce que Nesrine, c'est fini pour eux. Regarde, ils ont tous la barbe blanche. C'est fini. Ah, de voter, tu parles. Tu parles de voter ou tu parles de le combat dans la musique ? Parce que ça y est, ils ont fait le tour. De toute façon, si t'écoutes leur musique, c'était pas des musiques sataniques. Hein. Franchement, Ménélique, j'ai rien à dire. Hein. J'ai rien à dire sur... Je l'écoutais, hein, carrément. Je le mettais en boucle quand j'étais gamin. J'ai rien à dire sur lui. Hein. Non, eux, des anciens rappeurs, voilà. C'est les anciens. Et de toute façon, on a bien vu comment ils sont... Et quand le frère parlait, à ce moment-là, quand le frère parlait ici, personne ne l'a contredit. Ils vont n'importe où, là, et que je vois ce qui s'est passé avec eux. Quand il dit que le rap, c'est de la merde, que maintenant, ils font n'importe quoi, qu'ils disent des conneries, ils parlent que de loup-boutin et de champagne, et je sais pas quoi, personne ne l'a contredit. Donc, c'est que d'un sens, tout le monde est d'accord. Et ils ont tous la barbe blanche, tous des anciens. Et personne ne l'a contredit. Hein. Tout le monde l'écoute, tout le monde dit oui. Exactement, Nisrine. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Vous écoutez les anciens ce qu'ils disent du rap d'aujourd'hui. Parce que moi, vous m'écoutez pas, vous écoutez pas Masta, vous écoutez pas. Hein, je parle pour ceux qui sont têtus et qui disent que nous on est jaloux. Bah, regardez des anciens rappeurs qui ont une vraie carrière ce qu'ils disent. Et eux, ils ont une vraie rap. Ils sont jaloux, eux. Ils sont jaloux de Booba. Ils sont jaloux de Gradure.
qu'on soit clair. Ils sont jaloux de Jules ou de Maître Gims? Non. Ils disent juste que c'est de la merde ce qu'ils font, c'est tout. Parce que... Hein, Maître Gims, bah, tu vas dire que Deftel est jaloux de toi aussi. Il est jaloux de vos messages pourris, de vos soirées, de vos clips en chicha avec de l'alcool. Ah merde. Avec tes Louboutins, avec tes Ferrari, avec tes... Hein, ta villa au Maroc, de je sais pas combien d'argent, là. T'es fier de montrer, hein, pour un musulman qui doit aider son prochain. T'es fier, toi, tu fais la luxure, tu fais l'orgueil, etc. Et tu oses dire qu'on est jaloux. Bah, va dire ça à Expression Direct. Va dire ça à Delta, qu'il est jaloux. Et qu'il dénonce le rap de merde parce qu'il est jaloux de toi. Non, là, on te verra plus, Maître Gims. Tu iras te cacher sous ta piscine pour aller prier, encore une fois. Bref, allez. Je pense que tout a été dit. Je voulais pas trop faire une vidéo longue sur ce sujet. Je vous remontre, hein. Un peu l'équipe Stomy, je crois que c'est même Kerry James d'ailleurs. Kerry James, Menelik, Lino, je sais même plus c'est qui d'ailleurs, celui-là qui a parlé bizarre là, je le connais même pas lui en plus. Celui-là qui défend l'improbable, Bustaflex, Matthew Stone d'ailleurs, faut dédicace à mes amis, hein, Matthew Stone et DOC, G-Kill, les frérots du 77, gros big up à eux, hein, je les croise souvent, c'est vraiment des bons gars les frérots, les jumeaux. Gros big up à eux, on se croise souvent. Un gros big up à Ritmo de la Noche aussi, hein. C'est souvent là-bas d'ailleurs qu'on se croise chez le frérot Ritmo. Bref, voilà, Jackie, Benji, Menelik, Bustaflex, je crois que c'est Manuke, si je me trompe pas, Manuke, Karine, Oxmo Puccino, bon voilà, du beau monde, magnifique, Nuti, y a qui encore? J'arrive même pas bien à voir. Je crois que c'est Jekyll. Et que les Jekyll là, je crois, je suis pas sûr, Calbo, je l'ai oublié. Bon, allez, de toute façon, il y a du beau monde. L'âge d'or du rap français le 27 mars, pour ceux qui ne savent pas à Paname. Hein, je vous invite à aller, franchement, moi j'ai pas à vous dire de. Voilà, ça peut être sympa. Et je pense pas que c'est du rap satanique que vous allez entendre. Bon, maintenant, c'est clair, je vous invite pas non plus à. Hein, je sais pas vous forcer à aller écouter ces musiques et aller dépenser de l'argent pour ça, mais bon, voilà, si vous avez l'occasion, je pense pas que ça ferait du mal à beaucoup de personnes d'aller écouter des vraies paroles et des gens justement qui disent des bonnes choses comme ça sur scène, voilà. Allez, tout a été dit, portez-vous bien, ciao, que le bonheur inonde votre maison avant tout, peut-être débat d'ailleurs sur l'âge d'or ce soir si ça intéresse, qu'on parle des anciens rappeurs qui ont toujours pas baissé leur froc même après toutes ces années, hein, en sachant qu'ils peuvent continuer, hein, s'ils veulent, ils peuvent refaire un album, ils peuvent repartir en faisant de l'autotune et dire des conneries à la Booba, mais non, ils préfèrent rester à la retraite. Pour eux, le rap n'a plus de valeur. C'est carrément, comme a dit Menelik, le rap sera respectable quand on l'aura mis en mode tradition. Et là, il n'a pas tort. Pour ceux qui voient ce que c'est une tradition, par exemple, on a des traditions, par exemple, chez nous, c'est de faire le bien, Il y a plein de choses, quoi, de manger une tulipe le dimanche, ou je dis une connerie, vous voyez. Mais c'est ça une tradition, c'est ramener des choses sérieuses à long terme, et pas ramener des conneries sur de l'argent ou sur des... Bref, vous avez compris, des vices du diable. Van de Vaux, tristesse. Van de Vaux, tristesse. Van de Vaux. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le fils qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de l'âge qui s'entraident que entre chéries. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux cris. Ne voile pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cash et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme. Pour un Loki, comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur ronde, et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois, mais je suis pas habilité. Trop de fait sur la nature qui blesse l'humanité. Des régions devenues des tas de sang, ça vient jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois, mais je suis pas habilité.
l'humanité. Trop de paix sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions venues des tas de sang, les Indiens jusqu'au Pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.